phone, hey Pookie. Ha ha, hey Dookie. Ain't heard of your ex, like who's he? Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. J'ai choisi vraiment la bonne heure en plus. Coucher de soleil. C'est vraiment trop beau. Magnifique. Les amis qui m'ont fait faire un tour en buggy. Ils nous ont ramené dans un resto 10 5 étoiles pour les Marocains, genre c'est hyper bon, ils font brochette de viande, les tagines et tout, et j'ai vraiment faim, j'ai hâte de manger. Voilà, ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle, je vais mettre le Friskies, je sais pas. Le collègue à côté, il a pris tagine kefta. Il a l'air incroyable. C'est parti. Waouh. Merci. Incroyable. Petite story time de pour tous ceux qui m'ont dit « Mais t'es à Marrakech, t'as dit que c'était pas ton délire, que t'aimais pas Marrakech. » Alors déjà, c'est faux. J'ai jamais dit que j'aimais pas Marrakech. Déjà, pour commencer. J'ai dit « C'est pas mon délire de vacances. Pourquoi ?» Pourquoi ? J'ai remarqué qu'à Marrakech, c'est beaucoup de snaps que je vois, des boîtes ou des beach clubs, vous voyez ? Mais moi, j'ai passé l'âge. Les vacances de boîte de nuit, j'ai passé l'âge. Vous voyez ? Donc, moi, personnellement, les vacances, c'est quelque chose qui me permet de me ressourcer, de voir la mer, de voir des eaux turquoises, d'être dépaysée. Et voilà, moi, pour moi, le dépaysement et la mer, c'est vraiment pour moi les vacances. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas chez nous. Maintenant, les boîtes et les restos ambiance, c'est bon. Je connais, j'ai fait 1000 fois. Regardez les chats. Bref. J'ai passé l'âge. Ça y est. J'ai plus les mêmes envies. Donc, ouais, c'est pas mon délire de vacances. Maintenant, mi-septembre, ça s'est calmé. C'est vrai que pour moi, c'est un beau pays, le Maroc, parce que j'ai déjà visité des villes au Maroc et j'ai kiffé. On mange super bien. Il fait 30 degrés. Bien manger, être dans des beaux endroits. Comment ça peut ne pas être le délire de quelqu'un ? Expliquez-moi. Ça a été c'est un moment pour moi pour me reposer, pour voir autre chose, tout simplement. Donc arrêtez de venir me chercher des embrouilles où il n'y en a pas. Voilà. Non mais sérieux, regardez les chichas. Ce que ça m'a fait. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que j'en fume pas. Et à cause de vos chichas, là, regardez comment... Comment je suis cicatrisée, franchement j'en ai marre. J'en ai marre.
une belle journée à Marrakech aujourd'hui. De bonne humeur. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va déjeuner. Après, on va au marché. On va aller acheter des trucs. On va faire des touristes. On va faire des touristes un peu. Et ensuite, cet après-midi, on va au spa. Voilà, on a réservé pour l'après-midi massage, hammam, bain de rose rose. Ça va être incroyable. J'ai même pris le massage facial aussi. Merci. Donc voilà, une belle journée. Il s'est fait avoir. T'as pas su dire non. C'est pas grave, ça lui fera un peu de sous-sous, même si à mon avis t'es pas le seul à craquer. Qui? Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis. Il est venu deux fois. Et le président de Barcelone. De Barcelone? Le président, la Porta. Et ça, c'est le président de Real Madrid. Ah oui. Et ça, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale du Brésil, Philippe Scolari. Ah oui. Il m'a dit, Ophélie Winter m'a les périmés. Et comment s'appelle la petite crevette? Moi? Inès. Inès. Parce que tu crevais, ça c'est pour les femmes qui sont fous. Et gazelles, c'est pour les femmes qui sont grand matelas. Matelas, ça fait le matelas et couverture. Mais moi, mon préféré, c'est prendre du basque. Elle est bonne jante. Quel âge pour le petit? Oui. Je t'adore, ma chérie Inès. Moi aussi. Je t'adore. Je viens te reprendre encore une gilet là-bas. D'accord, vas-y. D'abord, je te prends un petit thé. Oui, s'il te plaît. Avec sucre sans sucre. Sucre, s'il te plaît. D'accord. Je te présente mon amie Inès. Tu veux pas trop le propriétaire du magasin. Ah, c'est vous sur les photos. Ah oui. Ah, la classe. Moi, la star. La grande classe. Je vais aller chercher ton petit thé à la main. Oui, merci. Ah, moi, oui, maintenant, je me repose. J'arrive, cousine. J'arrive. Et thé marocain. Le vrai thé marocain, c'est le whisky berbère. Ouh, la petite crevette avec son lion, il va boire le petit thé à la menthe. Je vais goûter le thé, oui. Le vrai thé. Alors, avec Louise, moi aussi. Repose-toi, monsieur. Mmh. J'aime bien. Abdoulaye nous a mis dans un petit resto. Regardez, on voit tout le marché. On est bien là, il fait super beau, il fait trop chaud même. Regardez-moi ça les touristes. Et de DJ là-bas. J'ai pris plein de produits au fait. Regardez, attendez, c'est celui-là. Regardez tous les produits que j'ai pris. 100% naturel, hein, soi-disant. Tous ces produits, c'était 100% naturel, certifié bio. J'ai fait mine de le croire, mais bon. Regardez, j'ai pris tous les produits là. À l'argan, enfin, je vous montrerai. Des savons, des huiles, même des produits qui débouchent le nez. Enfin bref, je vous montrerai. Ça va être trop bien. C'est en plein milieu du centre de Marrakech. Il y a un petit coin caché où il y a ce magnifique spa.